Ben, qu'est-ce qu'on attend de cette réunion? Ben, je pense que le préfet est en mesure de convaincre l'industriel de mettre des chiffres rapidement sur la table pour débloquer cette situation qu'on est dans aujourd'hui. Ben, écoutez, le préfet il est mandaté pour piloter cette convention CANE. Je pense que la manœuvre est très importante et dans sa main. Peut-être vous recevoir. Ben oui, une fois qu'il nous recevra ce matin, c'est donc qu'il y a des propositions à faire. Et ben nous, aujourd'hui, si on n'a pas de solution, ben on va se concerter avec nos collègues et voir quelle action emmener. Et surtout, ben on va agir. Hein. On ne peut pas rester les bras croisés parce qu'on a, du boulot à faire. On veut rentrer chez nous, on veut faire notre campagne et on veut préparer la campagne surtout après. Les tracteurs sont arrivés sur Saint-Denis. Une partie des tracteurs sont arrivés sur Saint-Denis. Ils n'y monteront pas tant qu'on n'a pas de solution. Et s'il faudra amplifier ces machines, il y aura d'autres machines qui descendra. S'il faudra mettre 100, 150 dans la rue, ben on sera prêt à attendre un mois, deux mois si on veut. Et s'il faut rester avec une campagne fermée, ben on restera une campagne fermée. En tous les cas, moi j'appelle à tous les agriculteurs canniers de ne pas couper de canne parce que tant qu'il n'y a pas une convention signée, il n'y aura pas d'usine qui rouvrira ses portes.